parents de Laurent Diassé Domel. Mesdames et messieurs, j'ai une fois encore la lourde et difficile tâche de faire ce témoignage au nom des époux des membres de l'association des épouses des ambassadeurs de Côte d'Ivoire. Quand un être cher s'en va, chacun aimerait trouver les mots qui soulagent ou réconfortent ceux et celles qui sont dans le deuil. Nous avons essayé de trouver l'inspiration dans ce moment douloureux, au cours duquel souvent l'esprit s'envole. Nous demandons donc votre indulgence. Quelle que soit la façon dont nous envisageons la mort, elle est là à chaque instant. On l'oublie chaque matin, mais un soir, elle nous étreint, comme elle vient de le faire en arrachant à notre affection notre présidente Laurette Diassé Domel. La mort est mauvaise joueuse et elle vient de nous éprouver encore avec un trait de lecture. Tel un grand coup de tonnerre qui s'éboue tout à Abidjan et au-delà de notre pays, nous entendons dire que Laurette Diassé Domel vient de s'envoler pour le pays des lumières où le bonheur et la joie sont tels qu'on en revient. Es-tu vraiment parti sans nous dire au revoir? Non, tu ne peux pas nous faire ça. Laurette, la triste vérité de ton départ précipité est là, implacable. Nous voici aujourd'hui au bord du vide, puisque depuis ce mercredi 10 février, jour de ton appel à Dieu, nous cherchons partout ton doux visage que nous avons perdu. Que c'est éprouvant de parler de Laurette au passé. Laurette, tu étais l'avenir de l'ARC et elle vient de perdre cet avenir. Tu étais les nôtres et nous venons de perdre cette part de nous-mêmes. Nous voici désormais seuls, nos lèvres serrées sur nos pourquoi. Pourquoi toi, Laurette? Laurette Diassé Domel, notre très chère présidente, pour toujours tu seras dans nos mémoires, pour toujours tu seras dans nos cœurs. Nous t'avons aimé. Nous voulons te dire adieu. Nous te remettons et te confions à ton Créateur, Dieu qui t'aime plus que nous. Va donc, Laurette, sois heureuse auprès du Père Céleste. Va et repose en paix sur la terre de tes ancêtres. Mais au sommet de tes talents et tes larmes de recevoir.
en ambassade, aux côtés de ton époux dès l'âge de 25 ans. Tu as fusionné l'éducation de ta jeunesse avec l'expérience et réception mondaine acquise sur le tas. Tu as su t'entourer d'une équipe que tu as formée selon tes critères et ensemble, vous avez marqué votre temps avec brio. Tes amis d'aujourd'hui et d'antan, heureux invités de tes tables, ne t'oublieront jamais. Mère passion, mère courage, mère amour, Amazon de nos cœurs, quelle incroyable délice sur les années passées auprès de toi. Des tombereaux d'amour et de tendresse, tel fut notre lot quotidien. En ces moments pénibles, tu souffles sur nos petits cœurs endoloris et nous le percevons. Comment oublier ces parties de l'ego à Cannes où tu alternais entre le salon où nous nous amusions et la cuisine d'où tu nous concoctais un de ces repas inoubliables dont toi seul détenais la formule magique. Comment ne pas ressasser ces moments où nous, tes enfants, tes petits-enfants et tes filleuls, assiégeons ta chambre pour de longues discussions et des rires aux éclats. Des moments de tendresse à jamais gravés dans nos cœurs et nos esprits. Merci maman, merci Lady, merci ma reine. Lorette, tu nous manques déjà. Nous sommes dans la douleur. Nous avons voulu t'exprimer notre proximité, notre affection, notre amour, tel un enfant qui s'enroule dans le palme de sa mère pour la sentir. Comme tu vois du ciel, nous essayons de t'imiter en étant de petites Lorette, de petites André. Nous espérons avoir bien su te copier dans cette mode que nous venons de créer, appelée à la Lorette. Car tu restes et resteras immortel dans nos cœurs. Lorette, nous découvrons ton prénom André, qui était celui de notre grand-père, et comprenons mieux d'où te vient cette autorité qui le caractérisait. Lorette, tu es toujours disponible, toujours prête à rendre service. Tu prends de ton temps pour contenter tout le monde. Ta très grande écoute, tes bons conseils te permettent de distiller ici et là ta sagesse. Comment ne pas évoquer ton goût pour la perfection? Nous avons également bénéficié de ta grande culture et de tes talents artistiques qui se révèlent dans tes hôtels magnifiques et somptueux. Ces hôtels dégagent une telle spiritualité qu'elle concourt à consoler les familles qui en ont bénéficié. Que dire de ton art culinaire, de tes mets succulents dont raffolait Théo, ton époux, que tu rejoins maintenant. Que ton départ soit pour nous une source d'espérance. Prie pour nous, Lorette, bénis-nous du ciel. Famille Yassé, Bonnie et Demel et Alliés, unies et reconnaissantes, vous adressent avec déférence leur infinie gratitude. Merci pour tous vos élans de solidarité et d'amitié que vous avez bien manifestés depuis le 10 février 2021, date à laquelle notre bien-aimé André Lorette, épouse Demel, s'est endormie dans la paix de Dieu. Puisse le Seigneur vous combler de ses bienfaits et vous le rendre selon sa miséricorde infinie. Monsieur le Président Henri Conan-Bédier, merci tout particulièrement pour votre présence effective à cette cérémonie d'adieu qui traduit la fidélité, la proximité, l'affection que vous avez toujours témoigné à notre tante Lorette Yassé, épouse d'Emel, et sa famille. Merci à Monsieur Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, dont la présence effective ici
traduit la confiance qu'il avait placée en Laurette Tuyassé, épouse d'Emel, en lui proposant une vice-présidence dans cette institution. Merci aux députés de la Nation pour votre soutien et pour la considération que vous avez cessé de témoigner depuis l'annonce de cette terrible nouvelle. Vous perdez une collègue qui avait des convictions et qui était combative tout en demeurant respectueuse des différences. Merci aux membres de l'AEACI, l'ensemble des époux des ambassadeurs de Côte d'Ivoire, présents ici en grand nombre. Nous savons que notre perte est également la vôtre et qu'elle vous manquera beaucoup, car elle participait activement à presque tous les événements et sorties de votre association. Les familles Yassé, Boni, Demel et Alliés vous remercient. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent pour toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ.